Gamin, c'est comment? Ça va de où t'es? Voilà. Bah, on va faire un petit quatuor maintenant. On va faire commenter du quota. Oui, Gamin, prenez les chaises. Asseyez-vous, Karafoukoukana. Karafoukoumita. On va faire les commentaires. Oui ou non? D'abord, qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, appuie stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors arrête un moment. Parce que c'est la caméra, comment elle sait? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes personne. La personne se lève, t'insulte. C'est quoi ce moment? Quand on va arrêter, on va passer sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais. Vous voyez un peu congolais? C'est chaud. Très chaud. Tu as volé son sur la manne. Il a son top à vous trouvez à bref. C'est quoi ce commentaire? C'est un commentaire de Kwata. Oui, on est au Parlement. Oui, ça, c'est le Katika qui va commencer un commentaire. D'abord, ma gueule, c'est à tous les camions fragiles. Là. Les RSC, les RSC. C'est pas tous les filles. Les gars, c'est pas tous les gars. On est là à commenter, non? C'est un sujet. Le titre, c'est les Mengete ne mbinda plus au pays, au Cameroun. Oui, parce qu'avant, pas tous les mbinda, les camions. Je vais vous d'accord. Bon, d'abord, c'est quoi le sujet? C'est pour essayer d'éclaircir à ceux qui comprennent l'évolution des décharges de Mbengete au pays. C'est devenu chaud au pays, les gars. Vous savez pas. Et le Katisa va vous dire. La mine est devenue faux au pays maintenant. Oui, les mérites, waouh, beaucoup de mérites. Oui, dis-moi. Ça a commencé comment là-bas? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça, ça arrive ici, ça fait longtemps, non? Avant les années 2005, ceux qui sont allés au pays avant les années 2005, ils connaissent de quoi je parle. Quand un mérite quittait la France, la Belgique, les États-Unis pour le pays avant les années 2005, dis-moi. Il avait le temps, quoi. Il minait tout le monde. Et en plus, c'était facile à l'époque, hein, dis-moi. C'était facile. Quand tu arrivais avant les 2005, tu arrivais, tu pouvais miner tout l'aéroport. Tout Arcelot. Tout Ntinga, tout Bastos, tu bidais tout le monde. Et en plus, à l'époque, les gars te bidaient sans rien te demander. Oui, à l'époque, tu venais, tu bidais les gars, sans rien donner. Hein. Elle était fière de bidaver, mais elle était, oui. Attends, le lait qui avait à tout effet, dis-moi, c'était chaud. Très chaud. C'était en rien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Facebook, les médias, Internet, Internet a démocratisé la mine. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme après 2005, les Camerounais ont commencé à retourner au Cameroun. Il y avait maintenant les Mengete de Dubaï, les Mengete de Hong Kong, de Chine. Donc, il y a tout genre de Mengete. Vous savez qu'il y a plusieurs Mengete, non? Je savais qu'il y avait les gens. Je vous explique, il y a plusieurs genres de Mengete. Il y a les Mengete de France, qui sont les Mengete normaux, France, Belgique, les Mengete normaux, les vrais Mengete aussi, les Anglais. Mengete plus. Les Américains, les vrais, les Australiens, les Canadiens, ça c'est les Mengete plus. Il y a aussi les autres Mengete. En Italie, c'est les Mengete, mais presque. Italie, nous, on ne se lève pas. Il y a aussi les Ukrainiens. Eux alors. Mais c'est les Mengete, mais un peu très loin. Les Israéliens, des Rembe, les Libanais. Il y a des déchets aussi là-bas nazis. Il y a des décalés. Il y a des chasseurs de là. Les Mengete, ce n'est pas catégorie. Vous avez vu, non? Donc c'était comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces Mengetés se trouvent au pays et c'est chaud. Les Mengetés, ils viennent de Dubaï, là. Ils ont souvent l'argent aussi. De Asie, ils ont l'argent, ils ont les voitures. Donc le Mengeté de France n'a plus le monopole. Hein. Et aussi les menteurs. Oui, les filles du pays sont devenues wise. Je vais revenir, vous allez comprendre pourquoi je dis que le Mengeté est devenu dur. Les filles du pays maintenant, comme les gars ont menti sur Internet, avec Facebook, tu avais Facebook, on t'attrape. Hein. Tu dis que tu es célibataire, la fille passe, elle commence à savoir si tu es marié, fiancé, tout. Donc c'est fini, il faut maintenant. Les Mengetés se battent, ils ont menti, les filles, doter les filles, mentir, mais prendre même filles, aller sur la dos, piaf. Donc la fille devient, ouais. Ce qui fait que de nos jours, mes petits frères de Meng, là, Allemagne, France, Belgique, quand ils vont au pays, ils souffrent. J'ai assisté moi-même, mes yeux péricards. Les petits frères vont au pays, mais en plus, ces petits frères-là, de moins de 25 ans, sont faibles. La plupart, pas tous. Hein. Ils sont faits pour attaquer. Donc, ils savent attaquer comme un quartier. Un quartier, là, par exemple, au pays, si c'est dur, n'importe comment, il attaque trois petits pieds plats là-bas dans les sous-quartiers. Bona Somma, Bona Loka, Dakar, partout. Là, il ne peut pas manquer deux chasseurs de rats, ils déposent son lait. Et les petits faibles, ils savent attaquer. Et en plus, si tu n'as pas un bon Tina, à l'heure actuelle, tu risques là. Il y a les mérités, ils vont au pays, ils sont obligés d'aller à la F. Hein. Je vous dis la vérité, demandez-les, ils vont vous dire. Il y a les mérités arrivent au Cameroun maintenant là, ils sont obligés d'aller à la F tirer parce que c'est chaud. Les filles sont wise. Les filles au pays maintenant ne donnent plus le mina n'importe comment. Elles savent que tu manques, tu ne vas pas les épouser. Et les filles d'Aqua alors sont le feu. Tu ne peux pas les épouser, tu ne sais pas. Par exemple, tu es dans une boîte, avant d'avoir une boîte de nuit, avant les années 2005, quand tu es dans une boîte de nuit, tu étais un mérité venu de France, tu étais le seul de la boîte, donc créer ton nom. De nos jours, il y a 40. Tu viens de France, celui-là vient de Dubaï, celui-là vient de Hong Kong, celui-là vient de machin. Il y a plein de mérités. Melody, Jennifer, la Talakou, à tout le monde. Et les filles ont le choix, et elles sont données. Elles savent que tu ne vas pas les épouser. C'est pour ça que les Mengetés souffrent au pays pour Mina maintenant. Donc je m'agresse, c'est ce qui dit que les Mengetés, c'est devenu chaud même sur les Mengetés. Il y a des Mengetés qui arrivent au pays. J'étais au pays devant là, c'est un petit qui m'appelle au téléphone. Sur le terre. Grand maman, tu vous savez pourquoi ils appelaient? Parce que je vais sur les vidéos sur la piscine. C'était dans quelle piscine, grand? Ouais, gars. J'ai dit, pitié, c'est comment? Il me dit, non, grand, les gars, c'est pas où, non, grand? Un petit fait qui, l'Allemagne et la France, il arrive au Cameroun, il me demande que les gars sont pas où. C'est chaud. Malgré son titre, on le... et en plus, c'est très dangereux. Si tu es en Belgique, tu atterris mal, tu tombes sur une fille, Ronaldo, qui te rime, parce qu'il y a les filles qui sont des messages. Hein. Tu arrives le samedi, elle t'amène en boîte avec ses copines.
on te taxe là-bas bien. Après, tu dis qu'elle rentre chez elle. Quand tu veux forcer, elle dit, hey, pardon. Toi, tu sais comment les autres humains étaient, elle te met la pression en te disant que toi, tu viens seulement pour les fesses. Là, tu es obligé de faire le don. Enfin, celui qui veut le sourire, le petit veut faire le sourire. La petite, la gardienne dit non. Pour le moment, tu veux même vraiment passer les humains, s'il vient seulement pour les fesses. Elle ne sait pas que le jour du séjour, le compté. Petit frère a pris autour de 10 jours. Un jour qui passe au Cameroun pour un Mégété, c'est le feu, les filles. Quand un Mégété passe un jour au Cameroun, sans binda, il est mort parce que le jour ne rentre plus à l'arrière, les jours sont comptés. Donc le petit frère, à un moment, il fait, il se trouve à 4-5 jours, la fille a remis, elle a trouvé 300 goulots, elle donne pas les lances. Petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Le tina, il est faible. Parce que le tina, il est mort, le tina, il faut aussi financer. Petit frère, obligé d'aller à la F pour porter les beaucoup de camels qui ici vont porter les canaux au Cameroun, c'est chaud! Alors qu'à l'époque, tu n'avais pas besoin de gagner. Tu es arrivé dans un quartier, on entend seulement que le gars là vient de France, de Belgique, d'Italie, machin, truc. On entend seulement. Tu mindas tout le monde. Colporteuse, vendeuse d'oranges coiffées, tu mindas tout le monde. Maintenant là, j'ai aimé de Médor, c'est le. Ah ouais, maintenant. Et vous encore une petite histoire, vous savez? Quand on peut au Cameroun, j'ai observé, vous savez, c'est un sociologue du quartier. J'observe les caméras dans l'avion. D'abord, c'est pas tous les caméras, j'ai signé. Quand on voit les gars, demain je voyage, souvent je parle d'expérience. Vous savez, quand je parle par exemple SM-Bruxelles ici, un exemple, ou Cameroun, bref, on va dire SM-Bruxelles que j'ai pris demain. Quand tu parles SM-Bruxelles par exemple, tu demain, il y a les Camerounais qui viennent d'Allemagne, les Camerounais qui viennent d'Italie, ils font le transit, hein, oui, ils sont dans l'avion. Et quand l'avion, vous savez, chaque fois que je parle au Cameroun, je demande aux hôtesses qui servent là, de me servir. Vous savez, ils servent le riz, enfin le poisson et la viande. Et j'aime que le poisson. Souvent, le poisson est très rare parce que les Camerounais mangent beaucoup de poisson là-bas quand dans l'avion. Souvent, je demande de servir le poisson après. Mais c'est un plat, comme tout le monde. Après, demain, s'il y a un autre plat de poisson, ils m'envoient quand j'ai vraiment envie de manger le poisson là. Et souvent, ils me disent oui. Et quand on part toujours au Cameroun, j'ai toujours au moins un poisson après. Vous savez pourquoi? Les Camerounais ne mangent jamais quand ils partent au Cameroun. Surtout les hommes, quand même. Quand ils vont au pays, ils mangent. Vous savez pourquoi ils ne mangent pas? Un gars fait 5 ans ici en Occident, avec le stress de facture, la jachère, le lait. Quand ils voyagent dans l'avion, ils n'ont pas faim. Les Camerounais n'ont pas faim quand ils voyagent. Au retour, ils mangent tout. Au retour, je ne demande jamais parce que les Camerounais mangent tout. Ils dorment tous. Ils sont fatigués de Mbinda, de la Oua, tout ça. Mais à l'aller, les Camerounais ne mangent pas. Dans l'avion, les gars ne mangent pas. Vous savez pourquoi ils ne mangent pas? Hein? Les yeux des gars, tu vois un gars assis dans l'avion quand il part au Cameroun. 4 ans, 5 ans dehors. Il ne voit que des grosses fesses. Dans ce... Il est assis, ce n'est que les fesses qui balancent dans ses... Les gros seins. Il ne connaît rien d'autre. Donc quand on propose la nourriture, il n'entend même plus. Moi, je me concentre chaque fois, je demande le poisson, on m'observe 2 fois. Je mange, je dis, ouais. Et je les observe. Personne ne dort quand on part au pays. Dites-moi les Camerounais, pourquoi quand on part au pays, vous ne dormez jamais dans l'avion? Au retour, vous dormez tous. Vous savez, moi, j'ai du mal à dormir dans l'avion. Au retour, je suis seul. Tout le monde dort. À l'aller, personne ne dort dans l'avion. Parce que les regards, le gaz, ils ont tous. Et chacun a attaqué petit de tous les côtés. Chacun, ils arrivent parfois, ils tombent mal. Parfois, il a réservé la petite lui donne. Un Camerounais l'avait menti. Elle lui fait comme ça, elle lui fait comme ça, elle va faire open. Le gars atterrit. Il se voit le soir, il croit que. Elle sort la carte. Le gars gonne dans la nuit. Le gars, il m'a regardé au Cameroun, il dort, même plus en tirer. Il devient fou. Il dit, merde, après 4 ans dehors. Et la fille elle me dit qu'elle va dormir chez elle, mais laisse comme ça là. Le lait l'embête, le petit fait déstabiliser. Donc voilà ma part d'observation. J'ai vu les Mégantais. Donc les gens qui viennent dire que les Mégantais, au Cameroun, c'est devenu chaud. Les parentés au pays maintenant, là, les filles sont devenues donnes. Certaines filles me disent, écoute, tu es Mégantais, non? Je sais que tu ne vas pas m'épouser. Pardon. Même ma part d'argent à terre, on marche. Même ma part à terre ne donne plus que tu m'aimes. Elle a compris. Les gars ont menti. Et elle-même, c'est des bandits. C'est-à-dire que c'est un monde de voleurs et de bandits. Et pour les filles. Le seul, mais je ne vais pas dire, c'est pas tous. J'ai signé encore les séances, pour certains dans l'avion, c'est la même chose. Vous savez ce qu'elles font? Certains de nos cigares au pays, les mèches brésiliennes, chacun veut chou, copine au Cameroun qui était resté au Cameroun, que je te dépasse. Vous savez qu'ils ont, pour certaines filles, quand même, de bain, elles ont l'habitude de penser que comme elles sont belles, elles ont les accessoires de beauté, elles sont plus belles que certaines filles du Cameroun. Elles le disent même sur l'été avant, certains lui disaient que. Pour une fille au Cameroun, tu es belle, hein, parce que pour eux, en France, on a les accessoires de beauté, les poudres, les make-up, les pipis qui salissent la femme, les déchets que met sur la face. Pour elle, tous ces accessoires la rendent belle. La beauté naturelle n'a pas besoin de tous ces artifices. Quand ça devient trop célèbre. Donc, pour elle, quand elle va au pays, elle prend les mèches brésiliennes, les habits. D'abord, les hommes et les femmes, c'est les Camerounais s'habillent en Europe. Oh, ils ne s'habillent pas. Tout le monde prépare ses habits pour le Cameroun. Donc, elle achète les mèches, les 500 pouces. C'est long jusqu'au bas. Les make-up se bat. Elle met la poudre. Elle arrive au Cameroun. Les filles du grand quartier, va les montrer. Quand les filles du quartier la voient, ma cause, c'est que hey, ça vient de France, comme tout le monde voit ce qui brille. Et c'est bon, c'est aussi les excès, parce qu'il ne faut pas croire, il y a cette aussi, là-bas, qui va au pays, ça charge le feu, ça. Et en plus, on a des attaquants dans les boîtes de nuit partout. Ouh!
les gars les cibles. Vous savez, les gars, au Cameroun, ça avait senti les baguettes, les filles, les baguettes, non. On sait les sentir. Même moi, au Cameroun, je sais les ressentir. Parce qu'elles ne savent pas cacher. Le wattisement, même une fille qui est aux États-Unis wattise. Elle est aux États-Unis, elle wattise en français. Quand on est aux États-Unis, on wattise en français, mon frère. J'ai même vu des gars aussi wattiser. Un gars qui wattisait aux États-Unis. Il dit, écoutez, vous savez, c'est une chose assez pertinente ce que vous dites. C'est assez bizarre ce que vous dites. En fait, c'est bizarre, un Américain qui wattise en français. Tu allais dire en anglais, darling, c'est en anglais, non? Voilà le Cameroun. Donc, comme ça, les gars, les cibles, on les soigne. On les soigne. Le m'as-tu vu? Mais au pays, les gars, les Mbengueté, les Mbengueté n'étaient plus comme avant. C'est arrivé, il te demandait, avant un Mbengueté arrivé au Cameroun, il pouvait tirer 3 filles par jour. Un le matin, un après-midi, un le soir. Oui, donnez 3 légers, si les 3 fois, il peut donner 5. De nos jours, c'est fort. Si tu as un gros argent, tu peux mal tomber sur une voleuse, elle te manque 400 colos. Tu ne vois pas son calais. Elle est où tu manques, elle est où tu vois bien. Donc elle te rime le faisceau. Donc c'était mon avis sur le sujet de condom. C'était pour dire que les gars arrêtent de dire que les mecs étaient type. Et encore plus, il y a plus de concurrence et les mecs étaient. Il y a toujours les mecs étaient de nos jours. Il y a les mecs étaient d'Asie qui ont aussi les dos. Il y a les mecs étaient d'Israël qui vont dans le Kibbutz, les Kibbutz. Ils sont pointés les dos. Il y a les mecs étaient du Liban, les chasseurs de rats, les Turquies. Partout, ils sont. Mais au pays, c'est la concurrence. Oui, non, voilà, c'était mon avis sur le sujet. Voilà. Tchou tchou boum à tout le monde. Mais, gars, mais. Mac Mazo, là je m'en vais, mais je vais.